Salut les gars, on se retrouve pour la suite de MGS5 The Phantom Pain. Donc on va retourner à la Mother Base et ensuite on va faire une mission principale. Enfin, ou alors une petite opération secondaire importante. Il y a les enfants qui se sont échappés, du coup il faut les retrouver. Et les missions principales c'est soit du mode extrême, soit de la discrétion totale, soit une mission inédite. Donc on va voir. J'ai tenté la fameuse mission en extrême là que je vous ai dit que je déteste. Je suis resté bloqué dessus à peu près 3 ou 4 heures. Donc, bon, ah bah cinématique. J'ai fait plein de missions secondaires, donc je sais pas si ça a un rapport. Ah, la fameuse scène ultra polémique à propos de Coyette. Ah, vous allez voir, elle est ultra polémique cette scène. J'attendais de la voir juste. Ah, j'avais pas vu qu'elle se déshabillait entièrement. lol. Et là, ils s'embrassent. Je comprends pourquoi j'ai vu des fanarts entre Coyette et Big Boss en train de faire des choses. De s'embrasser, hein, pas plus. Je ne regrette pas de hentai de MGS. Je me demande à quoi ça ressemblerait. Les hentai de MGS. Oh mon dieu. Ok. Ok, bon, ok. Bon, la scène un peu... Voilà, hein, mais bon. Moi, franchement, je m'en bats les couilles. Je vois même pas pourquoi faire une polémique sur ça. Ça a duré quoi? Même pas 2 minutes? Je comprends pas, je sais pas. Il y a un problème dans notre société, je sais pas. Dès que tu vois une femme, je sais pas. Bon, ok, elle a fait un petit peu beaucoup quand même. Elle s'est déshabillée et tout, mais. Je sais pas. J'ai même pas d'argument, c'est. Je sais pas, c'est normal, enfin. C'est normal. C'est dans le personnage. C'est un peu what the fuck, mais c'est dans le personnage. Attends, pas bouger. Ah ben non, du coup j'ai pris ma douche. Ah ben c'est bon. On y go, on y go. C'est dans le personnage, donc je sais pas. On peut mettre Snake torse nu, y'a personne qui se plaint du fanservice.
pas. En plus, il y a même une tenue, j'ai vu, une tenue où on peut habiller Quiet en fait. Elle n'aura pas de, de sous-vêtements comme vous dites. Enfin, ouais. Je sais pas. Il y a des trucs tellement plus. Je sais pas, il y a des enfants soldats, il y a des trucs, c'est. C'est plus polémique, c'est plus sujet à polémique qu'une femme, quoi. Enfin, je sais pas, c'est tellement des coincés du cul, je trouve, dans cette société. Encore, c'est pas comme si Colette était mal utilisée, enfin. Je veux dire, par exemple, dans le fanservice, il y a fanservice et fanservice. Enfin, moi, le fanservice de Colette, je m'en bats les couilles. Ok, il y a quelques zooms sur ses seins, etc., etc., mais c'est pas au centre. C'est pas comme si Snake. Enfin. C'est pas comme dans Fairy Tail par exemple. Dans Fairy Tail, il y a Natsu, à un moment il se fait projeter par un ennemi, il traverse 10 km, il atterrit le nez entre les seins de Lucy. Ok, il y a une autre scène où Natsu il arrive au milieu d'un stade, d'une arène, il crame tout le stade, il y a tout qui fond, et la seule personne qui est touchée c'est Lucy, qui a ses vêtements qui fond et qui se retrouve à poil. Alors qu'il y avait des milliards de personnes dans le stade. Bon, moi, ce fanservice-là, il me casse les couilles, mais le fanservice avec Koyed, franchement, il est pas chiant. Ok, ses seins sont très bien animés, il se secoue assez bien. Attends, regarde-moi. Ouais, bon. enfin bref, alors quelle mission va-t-on faire? Oui. J'ai envie de faire la mission justement avec Koyed. Bah tiens, ce sera la vidéo du féminisme. Je vais faire la mission de boss contre Koyed. On va y aller sans coéquipier, tiens. Donc la mission de boss contre Quiet, ça peut être sympathique. Bras fusée. Ouais, c'est bon. C'est la mission combien déjà? Ouais, non, mais je sais pas, enfin, ça sera la vidéo spéciale Quiet, ça. Ouais. Ah merde, j'avais pas vu, quel débile. Désolé, regardez mon téléphone. Drapé dans le silence. Clocked in silence. Alors en combat. Ah, épisode 40 déjà. Il y a 50 missions. Oh, bah on approche de la fin. Hein. Assez rare. Boss, you okay? Okay. Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniper? Wouh! Elle est violente, hein. Au con, elle est violente. J'ai touché. Elle a bougé là-bas. Par là, là. On l'entend. Allez. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Bah oui, excusez-moi, j'avais oublié, bah oui, mode extrême, bah oui, bah oui. Alors vas-y, allez voir, vas-y. On va se faire un vrai duel. Boss,
va faire un vrai duel de sniper. Poum. Oh. J'ai même pas fait exprès, c'est ça le pire. Boss, you okay? Coucou. Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Elle se remet pas au même endroit déjà. Ah, par là. Ah, on l'entend. On l'entend. Ah bah elle est retournée au même endroit. Oh ! C'est quoi ça ? Elle est là, elle est là. Je la vois, je la vois. Je la vois d'ici. Je l'ai ou pas ? Ouf. Look out, boss. Take cover. There's a laser sight trained on your head. Ouh. Je l'ai pas eu là. Mais attendez, mais j'ai mon vieux sniper. Mais c'est mon vieux sniper ça, mais je veux pas celui-là. Boss, you need to go around outside the enemy's line of sight. Get into position undetected and attack from behind or the side. Mais attendez, mais j'ai mon vieux sniper pourri. Non, attendez, là par contre je vais rager. Bon. Hein. Voilà. Alors, premièrement. Don't overdo it. Premièrement. Settle the score some other time. Better to live and fight another day. Mais non, je vais la combattre. Oui, on peut ne pas la combattre. Wow, 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 wow. Supply drop complete. Je me cache en attendant que la caisse arrive parce que. J'ai pas envie qu'elle me tombe dessus en fait. Wow, wow. C'est bon. Et là je me fais tirer dessus pendant que je suis dans la boîte. Mais je vais rage quitte. Voilà. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Non, je sais pas. Elle est là-haut. Juste. Ouf. Voilà, je vais zoomer déjà un peu. Snake, talk to me. Snake, Snake. Attendez. 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 On va faire quelque chose. Pourquoi j'ai voulu faire des missions extrêmement vidéo? Rappelez-moi, il y a une bonne raison. Oui, donc ce que je voulais faire, c'est que je voulais prendre dès le début mon sniper. Parce que... Parce que, tout simplement parce que... Hop, alors, sélectionner équipement. Ah bah c'est bon, ça y est. Ils ont eu pitié, ils m'ont donné mon sniper. Bon, tant mieux. Ça, c'est bon. Lance-grenade, non, je pense pas. Ça, je peux pas avoir mieux. Et ça c'est bon. Et ça c'est bon. Et ça c'est bon. Quoi qu'il pille, on va prendre D-Dog. On sait jamais.
il me manque. Il me manquait. C'est pour ça que j'arrivais pas, il y avait pas D-Dog. Lorsque vous préparez une arme, la vue pointe automatiquement le réticule au centre de l'écran. Ok, bon, je sens que je vais rager. Surtout que j'ai passé 3 heures sur la mission juste avant là, que je n'ai pas réussi, même avec un truc YouTube, encore une fois. Boss coming. Boss. J'ai même pas le temps de me mettre à couvert. Je me fais one shot. Boss, you okay? Could it be that sniper? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the sniping point? Elle n'a pas tiré. Enfin, le tir m'a tué avant qu'elle tire. Enfin, je suis mort avant d'entendre le tir. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Alors, D-Dog. Oh, D-Dog, il va sortir. Son bel coup de pur. Coucou. Elle court vers moi? Non, c'est bon. C'est plus facile comme ça. D'accord. Où elle est? Elle est là-haut. Elle est là. Elle est sur le côté. Là. Mais elle est derrière un truc, non? Je sais pas. Deux, trois. Quoi? Mais... Je pensais que le tir était passé, moi, et que du coup j'allais me relever juste au-dessus du tir. Ok, 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 ok. Boss, don't overdo it. Non! You can only settle the score some other time. Better to live and fight another day. Dans la tête, ok, dans la tête, ça fait pas plus de dégâts que. Que ça. Je vais vous montrer. Ah oui, attendez, je vais vous montrer quelque chose. On a vu. Je vais vous montrer une. Je vais vous montrer une technique pour la voir. Vous demandez des munitions. Vous la marquez d'abord. Ensuite, vous demandez des munitions sur elle. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. On attend un petit peu. Quoi? Elle a esquivé? Oh la salope! Elle est là-haut.
J'ai touché là. Look out, boss. Take cover. There's a laser sight trained on your head. Mais je l'ai pas touché. Get into position undetected and attack from behind or the side. Ok, je crois qu'en fait mon sniper il a un truc balistique quoi. Quoi? J'ai... Ah, je l'ai touché là. Non, pas du tout. Je l'ai pas touché? Ok, d'accord, il y a la balistique. Alors ça, la plus grosse blague du jour. Depuis le début du jeu, quand je tirais là-haut, quand je tirais de là, par exemple là-bas, ça touchait là où je vise. Mais maintenant, il faut prendre en compte que la balle, elle descend. Plus elle va loin, plus elle descend. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, au bout d'un moment, par exemple, si je tire dans le ciel, ça va pas aller tout droit. Au bout d'un moment, ça va redescendre. Et ben là, c'est pareil. Allez, là-bas, je la vois. J'ai touché là. Ah oui. Je préfère rester là, c'est l'endroit le plus sûr en fait. Donc voilà. Hein, elle est où? Oh. C'est la première fois qu'elle me touche avec les jumelles. Ah, j'ai touché? Mais non. Mais non, j'ai pas touché. Mais c'est quoi ce jeu bizarre? Ok, 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 ok. Oh. Elle a remonté là ou non? Oh. J'avais pas vu le... Elle est sûrement allée sur la falaise. Elle est derrière les arbres. Je la vois pas. Elle est là-haut. Et ça va être un peu dangereux là quand même. Le mec le plus camouflé du monde. Hey, quit kidding around. Snake. Ok, alors je m'amusais jusqu'à présent. Maintenant on va jouer de manière forte. Sniper just disappeared. Zero visibility. If you can't mark him, you don't stand a chance. Stay sharp.
down, boss. Take cover. There's a laser sight trained on your head. Touché. Coucou. On peut la suivre. Ouh. Bouillachaka. Merde. Elle est là. Elle est là, on la voit, la fumée. Elle est là, la fumée. La fumée est là. Elle est là. Oh! Coulasse. Je te déteste. Toutes les fibres de mon corps. Tiens. Alors, qu'est-ce que t'as fait là, hein? Quand je joue sérieux, c'est plus dur, hein? Couille de mes couilles, oui. Oh, merde. Fumée. Elle est là-bas. Elle est là-haut. Elle est à la tour. Parfait. Boum! Bon, ce combat-là est plus est meilleur que le précédent parce que enfin que le premier et le ouais, vous m'avez compris. Que le premier combat de boss contre elle. Enfin, il est plus dur quoi, c'est... Merde. Non. Elle est là-bas, je la vois. Je la vois plus. Je la vois. Je la vois de là, mais je la vois pas de... Elle est là. Elle me voit pas là ? Et là, elle me tire dessus, je meurs. Parfait. Il le dit, Doug, au fait. Mais là-bas, il est tranquille, il me regarde. Va l'attaquer. Quoique. Ouais, non, attends. N'y va pas parce que. Et là-haut. Elle est où? Ouh! Oh, c'est chaud! J'ai senti la balle, elle a frôlé mon oreille, quoi. Pourquoi t'es pas aussi efficace en mission?
Hein? Putain, il y a une couille dans le pâté là. 30 minutes pour un combat de boss. Déjà fait en plus. Coucou. Je suis là. Elle est là, elle est là. Oh, oh, elle a volé là quand j'ai tiré. On va changer d'endroit. Pardon, je donnais un coup dans le micro. Je vais la sniper de là. Petit. Je la vois pas. Allez là-haut. Pas du tout. Elle est là-haut. Si, c'est elle. Un arbre qui ressemble à un truc de savane. C'est ça. Elle est juste au pied de cet arbre. Je la marque avant. Elle est où? Elle est là. Coucou. Sniper that good using a laser sight. It's like Quiet's trying to say the next one will kill you. Headshot. Elle a plus qu'un coup. Et là, je meurs. Juste au cas où, je prépare mon arme de corps à corps parce que. J'ai vu des combats de boss, quand je finis des missions, je vais regarder comment les autres ont fait. Et il y en a plein qui sont allés au corps à corps pour elle. Je veux... Non. Quand on s'approche trop près d'elle, elle balance des grenades. Oh! Ah oui, merde, l'arc-en-ciel! L'arc-en-ciel, c'est qu'elle récupère des forces en fait. De la vie. Putain, elle est pile dans mon angle mort. Là. Il reste plus qu'un coup, hein. Elle est là-bas. Une petite headshot des familles. Boum! Eh, je t'ai eu à ton propre jeu, là. Did you get her? With those abilities of hers. No doubt about it. She has to be one of the skulls. Now move in and finish your boss. She's working for Cypher. Le dernier coup, je suis content parce qu'elle m'avait pas vu. Je l'ai surpris, son dernier coup. Donc ça fait plus logique. Oh. Un petit rat. Une gerbille. Ou je sais pas quoi. Quelque chose. J'ai un pistolet tranquille. Je revois les blondes. Ah non, encore c'est le soleil qui fait ça. Femelle.
Ça fait quoi si on la tue? Parce que c'est une mission qu'on a déjà faite et j'ai déjà Quiet en... Mais elle est blonde. Je suis pas fou, elle est blonde. Non, la tue pas. La tue pas. Attendez, attendez. Mais pourquoi elle est habillée là, au fait? Je comprends pas tout. Elle était pas habillée dans le... Et pourquoi elle est blonde? Attendez, il se passe des choses bizarres. Je suis pas bigleux quand même, elle est blonde. Oui, elle est blonde. Blonde vert même. Il y a Dido qui regarde à côté. What the fuck? Pourquoi elle est blonde? Et elle a un maquillage bizarre aussi. Oh viol! Ah! Viens! Yamete kudasai! Pardon. Elle est blonde quand même. Attends, je suis pas bigleux quand même. Je sais pas. Est-ce que Koyet... Extraction arrived at the base. Support helicopter requested. On this base. Good work, boss. Can't believe you took her down alive. Now bring non, là, elle est plus blonde. Enfin, attendez, on va se mettre à l'ombre. Really elle est... Si, elle est blonde vert. Attendez, je vais d'avoir un truc. Est-ce que Quiet, ce serait Sniper Wolf de MGS1? Oui, on s'en fout, t'as pas réussi à la tuer, tu l'interroges, tu sais même pas si elle est dans ton côté ou pas. On s'en fout, Kaz, t'es un boulet dans ce jeu. Voilà. Ben voilà. Il est facile ce jeu. Bon, ben une vidéo un peu inutile, mais... Enfin, je sais pas s'il va y avoir un truc en... Mais pourquoi, attendez, non, elle est pas inutile cette vidéo. Pourquoi elle est blonde? Pourquoi elle est blonde? Je veux savoir. C'est une nouvelle tenue, un camouflage, Attendez. Je comprends pas. On refait même si... On est là. Non. C'est un bug du jeu alors. Si c'est pas normal, c'est un bug du jeu. Ça c'est bien par contre, c'est les plans de caméra comme ça. Donc ouais, c'est la vidéo un peu féminisme, hein. On a vu une vidéo un peu fanservice, une cinématique un peu fanservice. Du coup on a continué sur le personnage fanservice et là c'est bizarre. Je sais pas. Non, elle est blonde, je suis pas... Je suis pas bigleux, elle est blonde. En plus elle a tenu des Diamond Dogs. C'est normal ça? Ah non, d'accord, c'était moi qui l'avais mis. D'accord. Slipped the line, huh? Shame. She's one of a kind. Fine by me. We don't need her type. Boss. J'ai presque envie d'aller voir sur Google, mais j'ai peur de me faire spoiler. Mais vraiment. Taper Quiet blonde. Lou Sniper. Oh? Lou Sniper, Sniper Wolf. Oh, un S. Attendez. Objet de collection, mouchoir. Mouchoir, les Sniper Wolf avaient un mouchoir aussi. Ah. Donc, c'est une tenue qui transforme Quiet en Sniper Wolf. Parce que Sniper Wolf est blonde et c'est une snipeuse. Mais attendez, c'est pas le... Enfin... Je sais pas. Je vais aller voir, attendez, on va aller voir. Ah d'accord, il y a carrément la cinématique et tout. On va regarder la cinématique, mais en même temps je vais réfléchir. Parce que cette cinématique elle est classe. Et je veux voir si Quiet ressemble vraiment à Sniper Wolf. Là on va la voir en gros plan. MDR. One bogey on our six.
steady at 0.4 miles. It's tailing us. Don't lead it back to Mother Base. Roger, we'll shake it off. Non, ouais, mais tous les boss que je vois, c'est de dire c'est gros spoil, ne pas voir si on n'a pas fini le jeu et tout, donc. Ok, là d'un coup, elle est laissée à l'air. Là, elle est redevenue normale. Bon. Ça sert à quoi de nous montrer là? Je sais pas. Je comprends rien. Donc c'est pas logique, enfin je sais pas. J'ai essayé de trouver une explication sans spoil sur internet, mais on va attendre d'avoir fini le jeu. Mais pourquoi, attendez, la tenue qu'elle avait là, c'était la même que Sniper Wolf? Lou Sniper, je peux débloquer maintenant le Lou Sniper. C'est une tenue, enfin je suppose. Mais je sais pas. Je... D-Dog. D-Dog, tout va bien. Central ici, D-Dog, tout va bien. À vous. Ouais. Un peu... Ah, je me souviens de cette cinématique quand on l'a vu dans... On était tous persuadés que lui, là, c'était Frank Jagger. Dans les trailers. On était persuadés que c'était Frank Jagger. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde est persuadé de ça. Je regarde jusqu'au bout les cinématiques pour voir s'il y a quelque chose qui change, mais... Mais je pense pas. En même temps, je réfléchis parce que... Je réfléchis si c'est logique que Coyette soit Sniper Wolf. Ouais, je sais pas. Je...
pense pas, non, je pense pas que ce soit. Ça me décevrait que ce soit pas elle, parce que j'espérais vraiment voir Sniper Wolf dans le jeu. J'espérais aussi voir Frank Jagger, mais on l'a toujours pas vu. Pour l'instant, je suis un peu déçu du niveau personnage qu'on voit. Après avoir, hein, on n'a pas encore fini le jeu, mais. Caesar. Caesar ou César. Je crois que j'ai fait la même blague la première fois. Ah, c'est vrai que c'est Obélix Mission Cléopâtre, hein, évidemment. She saved the boss. She was saving herself. Fire. Put her in the cell. Boss. Non, il y a rien qui change dans la cinématique, c'est. Right. Take her away. What are you waiting for? Move. Ok, donc je pense surtout que je pense que c'est une tenue juste pour fans, juste pour les fans de MGS1, de Sniper Wolf. Mais bon, Quiet n'aura jamais la classe de Sniper Wolf quand même. La scène de sa mort dans MGS1 à Sniper Wolf, mais c'est, oh, c'est un truc de fou, mais vraiment. Et le personnage en lui-même, il est génial, je trouve. Mais sa mort, oh, c'est un tas de pixels dans MGS1. C'est, sur PS1, c'est comme une bouillie de pixels, quoi. Mais c'est tellement bien mis en scène, la chanson, son histoire qu'elle nous raconte en mourant et tout, c'est, oh, ah, c'est énorme, énormissime. When the time comes, I'll pull the trigger. I'll pull the trigger. Je sais plus comment il s'est fait cette cicatrice au. Ben non, mais je raconte de la merde. j'ai dit une grosse connerie, mais. Ah merde. Déjà, comment il s'est fait la cicatrice à l'oreille là? Mais c'est forcément dans le coma. Prise tactique, ouais, on s'en fout. Alors, on va aller voir dans Recherche et Développement. On va aller voir de suite. Une vidéo qui était censée durer 10-15 minutes et qui. Ah merde, d'accord. Et qui au final dure 158 ans. Recherche et développement. C'est pas ça. Ah, je peux. Un nouveau. Lance-missile. C'est pas ça. Tenue combat. Oh. Ah, le bandana, je peux faire. Désolé, mais je suis obligé. Lunettes de reconnaissance, on s'en fout. Ok, bon. C'est pas ça. Ah, mais oui, je suis con, c'est dans un coéquipier. Puisque c'est pour Quiet. Lou Sniper. Maintenant, vous pouvez enfin aller au combat avec Sniper Wolf. Ou le deuxième meilleur choix. Eh? C'est qui ça? C'est pour. Ah, c'est pour Dodo. D-Dog. Ça, c'est pourquoi? Furycorn. Équipement tactique des représailles pour D-Dog. La soif de vengeance de l'homme en flamme manifestée. What? On va le prendre. Infiltration, assommer ennemi pour D-Dog. On va le prendre. J'ai plus d'argent. Ok. Bon, bah. Oh. Bon, c'est pas grave. On va retourner à la Mother Base, voir s'il y a une cinématique. Et après, on se laisse là. Et je vais jouer jusqu'à voir c'est quoi le truc de Sniper Wolf, là, la tenue. Ouais, enfin, ouais, voilà. Pour conclure, je comprends pas pourquoi il y a tant de polémiques autour de ce personnage, très franchement. Il y a pire, il y a toujours eu pire dans d'autres jeux.
c'est triste si on peut dire qu'il donne cette image de la femme. Mais franchement, on s'en fout quoi. C'est pas Colette qui va forcer les gens à acheter de jeux. Il y a plein de goodies sur elle, ça c'est sûr. Et franchement, je vais pas acheter un goodies, une figurine d'une femme à gros seins. Enfin, moi personnellement, c'est ma logique. Il faut pas être con non plus. Donc, enfin, con. Pour les collectionneurs, d'accord, mais pour ceux qui achètent la figurine de Coyette juste parce qu'elle est des gros seins, posez-vous des questions quand même. Enfin... Ouais, je sais pas. Bon, pas de cinéma. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Non, pas de cinématique, d'accord. Je vais aller faire des missions FOB, vous savez. J'en ai pas fait depuis le début. J'en ai fait qu'une en fait. Hein. Des missions FOB. Hop là, T-Dog! Voilà. Mais je t'ai caressé les... À chaque fois, je lui caresse les fesses, je sais pas pourquoi. Strike! Presque. Bon, ben. On se retrouve donc. Ouf, je lui ai éclaté la tête à lui. Tombe face à ma puissance. Le mec, je me suis retourné, il est tombé quoi. Voilà. Bon. Ouais, ben non, je vais faire que les missions sur la Mother Base. Vous savez, les trucs de stand de tir là. Jusqu'à attendre que le développement de la tenue soit fini. Bref.